L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire est l'autorité compétente en matière d'import-export et de distribution des produits alimentaires et phytosanitaires. Tout produit à destination de culture dans le cadre des activités de l'AM ne peut être importé sans que la GASA n'ait délivré une autorisation spéciale d'importation. Aussi, la GASA intervient dans les usines de transformation par la délivrance d'agréments sanitaires. L'agence assure et veille par conséquent à ce que tous les produits, engrais, semences et pesticides soient homologués afin qu'ils ne constituent aucun risque pour les populations. Nous avons été très honorés d'être reçus par la directrice générale de la GASA ce matin pour non seulement la présentation, la réorganisation du groupe OLAM qui a vu les activités séparées en trois subdivisions, donc la division des plantations, celle des ports et logistiques et celle des infrastructures. Donc, au départ, il y avait un contrat qui régissait toutes les entités du groupe OLAM avec la GASA. Et aujourd'hui, compte tenu de la restructuration, il est plus que nécessaire de revoir ce contrat et le remettre en route par entité. C'est pour ça que nous sommes là ce matin pour lancer le premier pas de la renégociation de ce contrat et la mise en œuvre d'un contrat par entité.